Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Pokémon et plus précisément je vais ouvrir ce magnifique portfolio de la dernière édition EB10 Astre Radieux. Donc c'est un magnifique portfolio spécifique à cette édition EB10 comme vous pouvez le voir. A priori il contient 252 emplacements de cartes, donc c'est pas plus mal parce que c'est vrai que les dernières éditions de cartes contiennent plus de 200 cartes et donc c'est vrai que les portfolios classiques 180, eh ben on n'a pas assez de place dedans. Donc je vais ouvrir et vous faire découvrir ce très très beau portfolio. Alors c'est bien parce que ça va aller dans la collection. Et hop, comme vous pouvez le voir avec une magnifique première page, on va aller voir sur le côté les logos des... les logos des énergies, pardon. Ouh là là, je... Et puis la page derrière. Bon, par contre, effectivement, moi je sais parce que c'est le nouveau portfolio de EB10. Mais par contre, on n'a pas la mention EB10 Astre Radieux dessus. Donc ça, c'est vraiment dommage. Est-ce que c'est parce qu'ils veulent vendre comme ça ces portfolios pour peu importe, les gens achèteront pas forcément pour l'édition. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas au moins sur le côté un petit logo EB10 ou Astre Radieux ou quelque chose qui fait référence à cette édition. Il y a des anciens portfolios qui ont 15-20 ans. Eux, ils avaient carrément la mention de l'édition, donc c'est bien dommage. Alors effectivement, il y a 252 emplacements, donc ce sont des pochettes transparentes. Je peux les compter si vous voulez, ça va aller très vite. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, donc ça fait 14 pochettes x 18, c'est ça, 252 emplacements. C'est recto verso en fait, tout simplement. Et donc c'est vrai que ces portfolios sont quand même mieux que les portfolios classiques, parce que vous pouvez ranger toutes vos cartes des nouvelles éditions, vu que sur toutes les éditions en ce moment, il y a beaucoup plus que 200 cartes. Donc c'est vrai qu'avec ce type de portfolio, ça va être top, alors qu'avec un portfolio 180, les amis, eh ben vous ne pourrez pas tout ranger. Donc voilà les amis, comme je le fais d'habitude, je souhaitais vous parler de tout ce qui concerne les cartes à jouer. Alors là, c'est plus le thème Pokémon. Et puis, c'était important pour moi de vous faire découvrir ce portfolio qui se trouve dans le commerce autour de 15 euros. Et il me semble que... Alors, je ne l'ai pas vu là, mais pour d'autres éditions, les amis, il était vendu autour de 20 euros, un portfolio avec un booster de l'édition en même temps. Là, je ne l'ai pas vu, j'ai vu que le portfolio autour de 15 euros. Voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée du prix de ce petit portfolio. Voilà, les amis. Eh bien, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.